Hello, hello, hello. Hello, hello, salut à vous. Je vais fabriquer les tomes. Les tomes. Donc, déjà avant tout, s'il y a des problèmes de son, je suis désolé. J'ai essayé de faire quelque chose. C'est soit ça, ou alors je fais des vidéos sans voix. Et si ça commence à être trop long ou quoi, ça risque de pas être sympa à regarder. Donc, nous sommes sur le moment où je vais crafter les tomes. Tous les petits tomes qu'il y a à faire là-dedans. Donc, pour la maîtrise, je vais faire une autre vidéo. Donc, de toute façon, pour la maîtrise, si on veut en parler vite fait, il faut faire ce genre de choses, ces trois éléments-là. Ensuite, au deuxième niveau, les plateformes. Ces plateformes-là, qui sont vachement utiles. Elle n'est pas sur ce genre de choses. De toute façon, ça va donner que un point. Donc, allez-y plus tard. Ça, je l'ai eu. Je l'avais eu dans un pack, le premier pack en crédit. Donc, je l'ai revendu 390K. Maintenant, il a beaucoup baissé. Et je l'ai revendu aussitôt. Il a été acheté. Et puis, bah, j'ai pu acheter des pinatas. Et je me suis fait deux fois, même trois fois, cette somme-là, on va dire en cristal. Celui-ci, je ne pense pas que je l'ai sorti d'un pack. Celui-ci ne sort pas d'un pack. Je ne pense pas. De toute façon, dans les packs qu'on peut regarder, j'ai fait ça et ça. Surtout les accélérites pour passer le niveau. Et quelques-uns de ça, j'avais dû en faire peut-être 10 ou 8. Et puis, surtout les accélérites. Ensuite ici, anti-gravity, ça vaut pas grand chose. Quand on commence à farmer, ça vaut pas grand chose et ça sert vachement. Ensuite à ce niveau-là, donc c'est pareil, hein, il faut aller sur ce genre de choses petit à petit. On en craft 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 et hop, au fur et à mesure, on va passer son level. Et après, on arrive ici sur ce qui est bon. Donc la flasque, prochainement on pourra s'en servir, ce sera bien. Car il est bien marqué Next Hour, Crystal get all ressources, donc de toutes les ressources. Donc normalement sur nos openings, sur les pinatas et dans les caves. Alors que là c'est vraiment pas ce genre de choses. Ensuite les costumes, faudra aller sur les costumes. Les costumes sans les farms, il y a moyen de s'en faire. Sans farm à fond, hein, 2 heures et 2 heures de farm. Il y a largement moyen de se les faire, à condition bah, de tomber bien sûr sur des bonnes caves de cristal, de faire ses petits openings et puis de tomber sur des pinatas et puis les faire avec des copains qui en ont. Se faire un petit groupe de 8, même si on n'a que 5, on trouve 7 personnes supplémentaires et on se fait les pinatas ensemble. Ok. C'est parti, donc on va se faire ça de suite. Donc pourquoi je vais crafter les tomes? Donc, pour monter la maîtrise. La maîtrise. Et de toute façon, avec ma maîtrise, ça me permettra d'avoir ce genre de choses. Car là, je vais passer là. 170. On arrivera presque, ouais, presque à 70. Il me manquera 5 niveaux pour reprendre là. Donc, normalement, ça devrait aller assez vite. Donc, c'est un mal pour un bien. Même si je ne le mets pas dans des reliques pour me up mon stuff maintenant, vu que je fais les tomes, ça reviendra plus ou moins au même. Allez. C'est parti, let's go. Allez, on se fait les tomes. Je vais me mettre dans le mal, je vais me mettre dans le mal. On avait parlé des packs, on verra ça tout à l'heure. Si vous voulez le voir. Alors, c'est parti. Au niveau ressources, normalement, je suis plutôt bon. Ça peut aller. Donc, 5K de cristal. Faut savoir que tous les tomes donnent 100 points. Alors c'est parti. C'est fait. Ça fait donc 100 points de mastery et 100 points de mastery géode. J'ai atteint le mastery 65. Donc mastery 65 que j'ai passé, on a reçu nos 3 reliques. Qui sont là. Voilà. Il va falloir que j'aie XP. Et là-dedans, j'aurai de bonnes choses. Ensuite, donc il faudra mettre Lodestar dessus. Hop là. Petit Lodestar, c'est ce genre de choses qu'on peut mettre sur les œufs ou sur les reliques. Ça donne plus de chance. Donc c'est assez facile à farmer, hein, ce genre de choses. Ensuite, allez, celui-ci. Donc celui-ci est au shop. 5K de cristal. 5K de cristal. Des ressources franchement de base. Hein, des ressources de 3. Niveau 3, donc il suffit d'aller en T3 et on les a facilement. Le builderite, il y en a beaucoup.
Et ensuite, ça, bah, c'est la petite ressource de chaque world. Et 5K cristal. Je vais le crafter. Ah non, je vais pas le crafter, je vais regarder parce que sinon, on va peut-être pas pouvoir le voir. Donc, il est là. Il est ici. 2500. 2500 crédits, ça fait quand même assez cher. C'est quand même un petit peu cher. 2500. C'est peut-être. Faut dire que ça arrive certainement un petit peu en retard. Si ça avait été là la première semaine, ils en auraient déjà vendu davantage que le mettre maintenant. Après, il y a toujours des gens qui payent, mais je pense que s'ils auraient voulu plus en vendre, ou que les gens utilisent beaucoup plus les crédits, il aurait fallu réellement qu'ils mettent la première semaine. Là, il arrive beaucoup trop tard. Donc ça donnera 35 de build de rite. Ici 25. Bon bah c'est pas pour ce que ça donne, c'est surtout pour les points de maîtrise parce que réellement si encore ça donnait par centaine, étant donné que c'est par c'est hebdomadaire, ce serait pas de trop. Ce serait vraiment pas de trop donc. Alors c'est parti, on le craft. Olé, c'est fini, c'est parti. Elle, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est mon tome. Ok, donc 100 points et 100 points. On a fait le Mastery 66. Là, là. Ensuite, les deux ici. Donc, ces deux-là, c'est ceux qui sont les plus durs à faire. Car il faut 7K. 7K, il faut des matériaux de T5. Allez, on le craft. J'y passe tous les cristaux. Et le dernier. On aura pris 400 points supplémentaires. Ici, nous sommes au Mastery, donc 68. Ça pourra monter facilement. Il me manquera quelques points. Je vais peut-être me faire quelques récipes ou des petites choses comme ça. Puis étant donné qu'avec les reliques je vais augmenter les modules, je vais prendre du point, donc ça va aller assez vite. Ok, donc ils sont là, ils sont où? Alors là je me suis mis un petit peu dans le mal, mais c'est pour la bonne cause. Et puis bon, j'ai toujours mes deux slots de demi-cristaux, demi-cristaux cristal, donc c'est bon. Ok, bah moi ce que je vais faire, je vais aller XP ça. On avait dit on allait passer au shop, on y est passé. Donc c'était pour, bah voilà, hein, je l'ai pris, donc c'est bon. J'avais ouvert ce genre de choses. Et ce genre de choses, alors là j'avais eu rien du tout de super. Et là, bah alors ici, juste silver, il me semble que j'avais eu un œuf silver. Pour recevoir un compagnon que j'avais déjà. De toute façon. Ok, donc on a tout vu, on a fait le tour, on a fait les petits tomes ensemble, je vais monter un petit peu la maîtrise. Je vous invite à aller regarder si vous l'avez pas vu la vidéo sur les cristaux. Les cristaux, bien sûr. Savoir comment les farmer et comment faire. Donc il y a moyen, si vous avez un compagnon de level 2, de l'augmenter afin de recevoir plus de cristaux quand vous allez le recycler. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, il ne faut pas hésiter à les poser. Et je vais vous faire des petites vidéos pour vous montrer comment faire pour avoir les méta facilement. Les méta, c'est ce genre de choses-là hein, qu'on a besoin pour faire les modules. Donc c'est assez facile. Hein. Je vais vous faire une vidéo pour ça et ça reliera un petit peu le tout. Donc je vais refaire aussi une petite vidéo maîtrise pour les personnes qui n'auront pas regardé, qui auront zappé le début. Pour voir le moment des tomes. Sinon, autrement, retournez sur le début de la vidéo. Allez, je vous quitte maintenant. Je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.